Bonjour tout le monde, 25 personnes ce matin, c'est excellent. Est-ce que vous êtes content de venir à l'après-cours? Est-ce que vous aviez hâte? Moi, j'avais vraiment plus hâte que vous autres, ça c'est sûr, parce que c'est mon moment en fait là, pour moi de me grounder avec qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puis essayer de répondre le mieux possible à tous les besoins, ou bien pas à tous, ça c'est clair, là, mais à de nombreux besoins. Que vous vivez en fait au quotidien. Est-ce qu'il y en a à main levée? Moi, je vous encourage à ouvrir caméra et micro et de le laisser ouvert parce que c'est beaucoup plus le fun comme ça, mais on comprend aussi que vous vouliez faire autre chose ou que vous n'êtes pas en disposition d'ouvrir micro et caméra, mais est-ce qu'il y en a que c'est leur première rencontre? Alors, ben, écoutez, bienvenue à tout le monde pour qui c'est la première fois. Re-bienvenue aux autres qui étaient là dans les années antérieures. Les après-cours, ils sont à leur 14e année. Donc, c'est la 14e année que le réseautage fait vraiment partie des valeurs de la formation générale des adultes, puis qu'on veut décloisonner un peu tout le travail que l'on fait acharné dans nos centres, puis qu'on veut partager l'intelligence collective avec tout ce beau monde-là. Fait que c'est vraiment une belle façon pour nous de parler orthopédagogie, de parler le même langage, puis de trouver ensemble des solutions. S'il y en a qui ne me connaissent pas, bien, vous voyez en fait mon nom, puis probablement que vous avez peut-être reçu des courriels ou des posts Facebook, quoi que ce soit. Alors, je suis Karine Jacques, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres FGA et des centres FP pour les services éducatifs complémentaires. Donc, c'est un nouveau poste qui a été créé en septembre 2020. Et moi, j'essaie d'être les yeux, les oreilles des centres, de répondre à vos besoins et de savoir un peu quand vous avez des besoins de venir m'en parler. Puis moi, je trouve des personnes qui vivent la même situation, puis de trouver ensemble des solutions pour aller en fait plus loin. C'est aussi les après-cours des moments d'échange, de co-développement. Donc, vraiment une belle opportunité pour vous de vous former, puis de prendre des fois un temps d'arrêt. Alors, extrêmement heureuse d'être ici. Pour Annie, là, qui est à sa première, 29 personnes à un après-cours, c'est vraiment fantastique, hein? Écoute. D'habitude, c'est Bien Richard. impressionné. Oui, Richard Pinchot est le master, le maître, le gourou des après-cours. Malheureusement, il y a un empêchement, en fait, une panne électrique chez lui. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais les après-cours, je pense que pour la première, je vais vous faire un petit tour, une petite visite guidée pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous me permettez, je vais partager mon écran. Alors, tout le monde la voit. Alors, les après-cours, ce sont des communautés de pratique. C'est marqué après-cours FGA, mais maintenant, on s'adresse aussi à la FP. Donc, il y a une communauté aussi après-cours orthopédagogue FP là, la semaine prochaine. Et cette année, on va avoir des rencontres communes. Donc, deux rencontres où on va être les orthopédagogues de la FGA et de la FP parce qu'on a des sujets aussi là, communs. C'est des communautés ouvertes à tous. Donc, même si vous êtes enseignant, même si vous êtes direction et vous voulez vous intéresser à l'anglais, à l'orthopédagogie, à la vie étudiante, bien, vous pouvez y assister. Le calendrier, il est là. Donc, vous mettez les communautés à votre agenda, les dates. La meilleure façon là, d'y assister, c'est vraiment de cliquer sur le bouton rouge. Et ça va vous ouvrir un lien Zoom. Donc, quand vous attendez, là, vous voyez, cliquez sur le bouton rouge, c'est que c'est vraiment la meilleure façon. C'est aussi la plateforme qu'on utilise pour beaucoup de webinaires en FGA et en formation professionnelle. Donc, les offres de webinaires, ils sont ici. C'est sûr qu'on essaie de faire les annonces dans les réseaux sociaux, dans les infolettres ou du moins que ça se rende jusqu'à vous. Mais c'est aussi la meilleure façon d'y assister. Donc, au moment venu des webinaires qui sont des formations en ligne sur des sujets qui peuvent nous toucher. Alors, vous cliquez sur le bouton rouge et ça va encore vous ouvrir le lien Zoom. Alors, je vais faire le chemin. Alors, j'ai cliqué sur la communauté orthopédagogie FGA. Et ce qu'on utilise ici, excuse, avant d'utiliser l'ordre du jour, je vais juste vous dire que chacune des rencontres est enregistrée. Donc, vous voyez ma grosse face vraiment souvent. OK?
Mais le but des après-cours, ce n'est pas tant que je parle, mais qu'on puisse se poser des questions. Mais je les anime pour faciliter le tout et la prise de notes. Donc, vous pouvez les regarder, c'est chapitré. Donc, quand on a parlé du dictionnaire numérique bilingue, ça revient encore à chaque année, hein, je fais des oui, je vois des oui. la COP francisation, quelqu'un qui vient nous parler. Donc, vraiment, là, vous cliquez, ça va vous amener exactement au bon endroit. Et il y a aussi les documents qu'on a utilisés et la bibliothèque de la communauté. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle à la SGA et que vous voulez garnir votre coffre à outils, bien, les bibliothèques de communauté, c'est vraiment une belle façon de ramasser de l'information. Donc, on a parlé, là, je revois Annie, là, parce que les stratégies de prise de notes, c'est un dossier auquel tu as participé. Donc, il y a des choses qu'on a présentées. On a mis chacune des gens qui ont parlé, les documents qu'on a utilisés. Dans les communautés, on utilise le document collaboratif de la communauté. Donc, je reviens dans la communauté orthopédagogie de FGA. Je clique sur « Hors du jour ». Et vous pouvez cliquer sur la date venue. Rencontre 1, il va vous apporter directement à la page. Sachez que si vous avez une question que vous voulez poser à la prochaine rencontre, vous pouvez tout de suite l'indiquer à la prochaine, au prochain ordre du jour. Donc, quand vous êtes dans votre milieu, dans le train-train quotidien, puis que vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à aller l'ouvrir. Tout le monde a accès en écriture. Deux choses super importantes. Ce qu'on vous demande de faire, c'est bien sûr d'aller voir la bibliothèque, comme je viens de vous présenter, mais aussi d'aller indiquer dans le tableau des présences. Donc, ici, vous avez un document Excel qu'on peut vous remettre dans le clavardage le plus directement. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir votre nom, votre prénom, où est-ce que vous venez et votre adresse courriel. L'idée, c'est de vous envoyer peut-être un petit rappel une, deux semaines avant pour le remettre à votre agenda. Donc, les dates des communautés sont tous cédulées présentement, sont tous planifiées, mais des fois, on oublie de les mettre. Donc, une à deux semaines avant, on envoie un courriel pour dire « N'oubliez pas telle date, il y a la rencontre des communautés, connectez-vous sans problème. » Est-ce que je suis allée trop vite pour... est-ce que vous... Je suis claire? Je suis quand même... OK, c'est parfait. J'ai pas perdu mes bonnes twists. Alors, ce sont des moments vraiment pour vous. On est 32 personnes. Je pensais faire un tour de table rapidement. Là, je me questionne 32 personnes. Ça va prendre vraiment... Juste les nouveaux, peut-être, Karine? C'est juste méchant ce que je dis pour les nouveaux, mais c'est parce qu'on ne vous connaît pas, les nouveaux, mais nous, les vieilles, on se connaît. Mais oui, si, ben, si, tu sais, c'est bien, bien volontaire, mais s'il y en a qui veulent... dire un peu d'où est-ce qu'ils arrivent puis où est-ce qu'ils sont. Ben c'est intéressant de savoir qu'on est de plus en plus d'orthopédagogues ou de services de soutien à l'apprentissage pour soutenir les élèves. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Ben, je peux commencer. Je suis Pascale Jaudoin. Salut, Pascale! Allô! Donc, c'est ça, je suis orthopédagogue en formation professionnelle et un petit peu en FGA. Donc, j'ai un petit mandat, là. Donc, moi, je suis nouvellement arrivée aux adultes. Ça fait seulement quelques semaines. Là, j'étais au secteur jeune les 23 dernières années. Donc, c'est du tout nouveau. Effectivement, c'est un monde nouveau à construire. Pascal, puis t'es où, Pascal? À quel emploi? Au Samar. Fait que Joliette. Oui. Super, merci. Annie Pellerin. Alors, bonjour. Ben, moi, je sais que vous me voyez en contre-jour. Je suis désolée, j'ai une belle fenêtre ensoleillée derrière moi. Moi, je suis nouvellement aussi, un peu comme Pascal, je suis nouvelle en orthopédagogie, en FP, surtout en FP. Secrétariat à comptabilité, mécanique automobile et plomberie chauffage au Centre Daniel Johnson. Je suis ici depuis février dernier et comme Pascal, moi, ça faisait 21 ans que j'étais au secteur jeune en deuxième secondaire français. J'ai fait le début de maîtrise en orthopédagogie, puis je me suis lancée l'année passée et j'ai atterri au Centre Daniel Johnson que j'adore.
Donc, c'est tout nouveau pour moi aussi, les après-cours. C'est Karine Morin, ma mentor, là, qui m'a amenée, que je remplace ici d'ailleurs et qui m'a amenée à l'après-cours. Voilà. Ah, vraiment. Puis là, j'étais allée fouiner. Daniel Johnson, c'est au CSSPI, Pointe-de-l'Île, Oui, à Montréal. exactement. Mais Oui, t'as à une Pointe. excellente mentor. Ah, je suis vraiment, vraiment choyée de l'avoir. D'ailleurs, hier, je l'ai appelée un petit peu en panique. Je dis, oh, ça fait là, j'ai besoin d'un petit, une petite rencontre orthopédagogique avec toi. Puis, toujours ouverte. Je suis vraiment chanceuse. J'ai un bel accompagnement. C'est excellent. Puis les premières constatations, Annie, Pascal, c'est vraiment, mais comment ça n'existe pas en FGAFP? Dites-vous que ce n'est pas illégal, c'est juste qu'il n'y a personne qui y a pensé avant. OK? Oui. Tout se peut en FGAFP, il faut juste déblayer le chemin. Donc, toute votre expérience que vous avez acquérie au secteur des jeunes, elle est extrêmement précieuse pour nous dans ces années-là. Annabelle? Oui, donc moi j'arrive, je remplace Julie, en fait, Julie Couette au FGA des Chênes. Moi, ça va être ma deuxième année en enseignement. L'année passée, j'ai eu un an en orthopédagogie au secteur jeune dans un autre centre de service en Montérégie, des Patriotes. Donc, c'est ça. Super. Ben écoute, un beau mandat, une belle équipe en place. Julie, qui a été là pendant 3 ans, je crois, elle est partie en direction, hein? Oui, exactement, est rendu au secteur jeune en direction d'une école secondaire. C'est le dark side. C'est l'autre. C'est vraiment une belle équipe là, pour t'épauler. Bienvenue, bienvenue, Annabelle. Daniel, je vais vous garder dans quelques minutes parce que vous allez présenter l'autre point. Parfait. Monsieur ou Madame Dumas? Oui, moi c'est Valérie. Et puis, je suis en FP au CFP Pierre-Dupuis, en charpenterie, en construction et art design. Et puis, j'étais au secondaire pendant 20 ans passés. Donc, moi aussi, nouvellement arrivée. Mais juste FP, là, je sais que ce n'est pas FP là, mais je pense que ça va être approprié quand même. Ça va me donner un peu d'informations. Tu vas avoir de l'avance pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être FP, mais il y a des sujets qui vont revenir, puis tout le fonctionnement, tu ne seras plus en surcharge cognitive là, pour ça. Bienvenue, Valérie. Merci. Belle équipe à Marie-Victorin pour te soutenir. Ah, Magali. vraiment. Moi, c'est ça. Mon nom, c'est Magali Audette. Je suis nouvelle depuis la fin août au Centre de formation des bâtisseurs à Sainte-Marie. Donc, je fais de la francisation, puis j'ai quelques heures à faire comme enseignante ortho. Je suis pas orthopédagogue, là, je suis de profession enseignante en musique et en espagnol. Mais c'est excellent, c'est toutes les cordes à ton arc, mais tu travailles de près avec Marie-Lie, probablement, que j'ai vu se connecter. Oui, Marie-Lé doit être là. Donc, Marie-Lie, qui est une très grande aide, vraiment, une Oui. belle. Julia et Marie-Josée, bonjour. Désolée, le micro ne fonctionne pas. Nous sommes au CSS des affluents en FGA, donc dans le coin de Repentigny, Terrebonne, c'est ça, hein? Marie-Josée est en poste depuis, là, je ne vois pas. X années, 12 ans, et Julia arrive tout juste en renfort. J'arrive du secteur jeune. OK, donc là, vous êtes une team. Vous êtes une équipe. Wow, c'est précieux, ça, les équipes. Bienvenue, les filles, Madame Jolicoeur. D'accord. Alors, c'est ça. Mon nom, c'est Sonia Jolicoeur. Je travaille en collaboration avec Jean-François au Centre de service des Appalaches. Et j'ai déjà travaillé à la FGA il y a quelques années. J'étais à Vaudreuil, à la commission scolaire des Trois-Lacs. Et j'étais CP en adaptation scolaire à ce moment-là. Et c'est un retour à l'éducation des adultes pour mon plus grand bonheur. Et sûrement en faire un déménagement parce que Thetford et Vaudreuil, c'est quand même assez loin. Mais... Entre-temps, je suis allée enseigner à l'étranger, donc oui, c'est un vrai déménagement. Ouais. c'est excellent. Un immense merci d'être là. Puis c'est sûr que tu es bien accompagnée par Jean-François. Vraiment. Oui. Il y avait Agathe qui ne s'est pas présentée. Agathe? Importe, là, moi, je suis Agathe Vachon. Je suis au CREA de Pessamit sur la Côte-Nord.
Puis, j'ai été dans l'enseignement primaire pendant 30 ans, 15 ans en troisième année, puis une quinzaine d'années au préscolaire, maternelle 5 ans. Puis, je commence ma deuxième année ici au CREA comme conseillère des services éducatifs et pédagogiques. Je viens chercher des outils ici parce que pour moi, c'est tout nouveau. Alors, c'est excellent. Puis, sachez que ça repose pas sur mes petites épaules, là. Regardez les gens autour de vous, là. On est une gang à pouvoir se présenter. Fait que des fois, je vous écrivais un courriel, puis je peux pas répondre rapidement, mais je vous envoie une ressource. Vraiment, c'est précieux. Donc, Agathe, bienvenue. Beau mandat. Merci beaucoup. Alors, les orthos à LDI à Lemoine d'Iberville. Alors, je peux reconnaître Catherine, mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire un test puis utiliser le clavardage. Donc, on n'hésite pas. Mais vous êtes une belle équipe à Lemoine d'Iberville pour soutenir tous les élèves. Donc, extrêmement contente de vous connaître, de vous voir, de mettre des visages aussi sur vous. Dans le document collaboratif, là, si j'y retourne. Juste avant de donner la parole à Daniel, si tu me permets, Daniel, je vais juste faire le tour de c'est quoi les services éducatifs complémentaires. Alors, levez la main ceux qui savent ce que c'est les services éducatifs complémentaires. Alors, les services éducatifs complémentaires, c'est un mot qu'on entend depuis longtemps si on a fait un passage au secteur des jeunes. Au secteur adulte, on sait qu'on engageait des intervenants. Donc, on engageait une orthopédagogue, on engage une TES, on engage une psycho-aide, mais tout ça, tous les intervenants font partie des services éducatifs complémentaires. Donc, puis nous, dans le fond, on fait la grande famille des services éducatifs complémentaires, puis on a un double rôle. On a un rôle direct auprès de l'élève, puis un rôle indirect aussi auprès de l'équipe centre. Donc, on agit en rôle conseil, par exemple, auprès des enseignants, auprès de l'équipe centre. Donc, nous faisons partie des services éducatifs complémentaires, puis le but, c'est toujours de mettre à profit la réussite éducative des élèves, de soutenir la persévérance. Puis l'orthopédagogie se met beaucoup dans le soutien à l'apprentissage. Donc, quand on parle de méthodes d'apprentissage, de différenciation pédagogique, de mesures adaptatives, on est dans ça, mais il y a aussi tout le côté santé, mieux-être, le volet prévention, promotion, de la santé mentale, l'hygiène de vie, des saines habitudes, la prévention d'indépendance aussi. Puis il y a le côté vie étudiante qui fait partie des services éducatifs complémentaires. Puis il y a des actions que nous, comme ortho, on fait. Puis c'est pour rehausser le sentiment d'appartenance, la connaissance de soi, le développement des habiletés socio-professionnelles. C'est tout là-dedans, le volet vie étudiante. Donc ça, c'est un one-pager que je vais mettre dans le clavardage et dans le document collaboratif. Mais ça m'a vraiment même aidé, moi, après comme 14 ans qui avait été orthopédagogue, à me dire, OK, ben, je suis une intervenante, mais je fais partie de cette philosophie d'intervenant-là, puis j'agis dans telle optique. Fait que c'est un one-pager qui nous a été fort utile. Puis j'ai vu certains bureaux qui l'avaient accroché, là, elle circule pas mal. Donc, je vous le mets dans le clavardage. Puis les services éducatifs complémentaires, ben, j'en fais partie, vous en faites partie. Mais on est maintenant une équipe de services éducatifs complémentaires au niveau national. Donc, il y a Martine Veillette, qui est la psychoéducatrice qui s'occupe tout du volet intervention. Il y a Lucie Tremblay qui a intégré l'équipe en août dernier, qui s'occupe pour les commissions scolaires du milieu anglophone. Et il y a notre Karine Martin que vous connaissez aussi depuis plusieurs années, qui est là et qui s'occupe des équipes choc des services éducatifs complémentaires. Pendant que tu expliques ton rôle, Karine, je montrerai ton site. Merveilleux. Alors, pour les nouvelles, les anciennes, je suis désolée de vous rabattre les oreilles encore avec le même discours. Alors, l'équipe choc des services éducatifs complémentaires, c'est une enveloppe budgétaire qui existe depuis maintenant 3 ans, très bientôt, qui offre un service de formation personnalisée dans tous les centres FGA et IFP qui en font la demande. Donc, vous avez besoin d'un coup de pouce pour réfléchir, vous avez besoin de faire avancer votre équipe.
vous martelez vos enseignants avec une thématique depuis longtemps, puis vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, vous auriez besoin de quelqu'un qui vienne vous donner un coup de pouce, on peut vous aider. Donc, sur le site, vous avez accès à plein de thématiques qui sont en lien avec les trois volets des services éducatifs complémentaires. Ce sont des formations qu'on peut déployer dans votre milieu de façon complètement gratuite. Si vous avez un besoin auquel vous ne trouvez pas de thématique qui répondrait à ce besoin-là sur le site, on peut créer la formation, la personnaliser pour vous. Tous les formateurs et les formatrices, ce sont des ressources du réseau. Donc, ce sont des gens qui sont déjà dans le milieu, qui connaissent bien la réalité de la FGA ou de la FP et qui acceptent de partager leur expertise avec d'autres membres du réseau. Alors, c'est vraiment des gens de la gang. Alors, c'est le réseau, par le réseau, pour le réseau. Donc, c'est vraiment des gens qui connaissent bien votre réalité, qui peuvent être déployés dans vos milieux pour aller répondre à vos besoins. On a eu Karine et moi, elles ne s'en vendent pas, là, mais Karine et moi, on a eu un mandat qui est reconduit encore pour 3 ans. Donc, ce qui est agréable, c'est que quand on entre, on met un pied dans un milieu, c'est possible de voir à plus long terme, donc de planifier où on va commencer, puis où on veut se rendre en y allant une petite bouchée à la fois, plutôt que de se dépêcher en se disant « c'est pas ce qui va arriver l'an prochain ». Donc, ça nous permet de voir à un peu plus long terme. Donc, voilà, vous n'hésitez pas sur le site. Il y a vraiment l'adresse pour rejoindre l'équipe. Sinon, mon adresse de courrier personnel, ça tombe tout dans la même boîte à mail. Fait que vous ne vous gênez pas, vous ne pouvez pas vous tromper. On va prendre une rencontre ensemble, on analyse les besoins, puis on voit comment on peut vous soutenir dans le déploiement de nouvelles stratégies pédagogiques et de nouvelles approches auprès des élèves. Voilà. Il y a le site, puis je fais juste vous dire que la meilleure façon de rester informé, c'est en vous inscrivant à l'infolette des services complémentaires. Donc, il y en a une qui sort la semaine prochaine avec toutes les dates de rencontres, les dates de webinaires, les projets du réseau. Donc, tout ça, c'est une belle infolette à avoir. Puis sinon, bien, sur le site, vous avez accès à des ressources, dans des ressources du réseau. Vous voulez bâtir un PAA, vous voulez faire votre plan de lutte, vous voulez faire une activité sur comment bien intervenir avec la clientèle TSA. Donc, c'est du matériel qui a été développé par vous autres, puis vous acceptez de le partager. Donc, c'est vraiment ça qui nous caractérise. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dedans. Et ben, finalement, avant de passer la balle à Daniel, ben, je vous invite à visiter notre page Facebook des services éducatifs complémentaires. Il y a une page des orthopédagogues de la FGA. Il y en a une aussi de l'ASP, je pourrais le rajouter. Puis on a un LinkedIn, là. Il doit être mal écrit parce que c'est vraiment difficile à écrire et à prononcer. Mais c'est une belle façon aussi de se tenir informé des prochains événements. Daniel, qui est ici aujourd'hui, veut nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Daniel, je laisse la parole. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Présentement, je suis une passionnée de la concentration. C'est un projet que je veux vous parler à propos de ça. Moi, j'ai été chargée de cours pendant 35 ans, dont plus que 25 ans à l'UQAM, où j'ai développé un cours de soutien à la réussite par l'activité physique. Et dans ce cours, j'ai vu le besoin de concentration des étudiants universitaires qui ont franchi tout le parcours, mais qui même à l'université ont franchement beaucoup de besoins. Et j'ai fait pendant les 10 dernières années toutes sortes d'expérimentations, soit auprès de mes étudiants dans le cours de soutien à la réussite, soit dans des projets parallèles. Je suis arrivée à des formules pour répondre à leurs besoins, qu'est-ce que je peux faire sur le champ? Je suis partie de 8 rencontres d'une heure à qu'est-ce que je peux faire sur le champ. Ça a pris 10 ans pour arriver à ça, dans le feu de l'action, là. Et depuis que je suis à la retraite de l'UQAM, depuis 2018, là, je me suis dit, mon expertise, je ne peux pas comprendre que ça tombe à l'eau. Alors, j'ai écrit un livre qui est sorti cette année, relancer sa concentration. Et ce sont à la base des mouvements neuromoteurs qui ont un impact sur les capacités attentionnelles. L'idée n'est pas de régler des problèmes, mais de relancer sa concentration en agissant avec des mouvements tout à fait simples, assis, discrets, parce que c'était les étudiants m'ont mis au défi.
Et basé sur la neuromotricité de la première année de vie, sur les réflexes primitifs, c'est comme activer ces circuits-là qui sont contrôlés par la formation réticulée, qui agit à la fois sur les capacités attentionnelles et à la fois sur la posture. Donc, on crée un éveil de la présence, du niveau de vigilance des étudiants et étudiantes. Et pour 5, 10, 15, 20 minutes, ça dépend du contexte de la personne, etc. Donc, je me disais, je ne peux pas passer à côté de faire connaître ça. Quand j'ai rencontré Karine Martin, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité qui m'est offerte, je voulais voir avec elle. Est-ce que c'est possible de créer un ou deux projets dans les écoles? Parce que je ne connais pas la clientèle secondaire, formation aux adultes. Et pour moi, avant d'adapter quelque chose, je trouve ça important de me mettre en contact avec votre réalité. Et c'est un peu cette recherche-là, cet appel-là ce matin. Moi, je demeure dans la région des Laurentides, donc je peux voyager, mais quand même pas à 100 kilomètres. Et donc, je me chercherais un groupe ou deux, soit d'étudiants qui sont dit plutôt régulier que vous rencontrez ou un groupe d'étudiants qui fait face à plus de difficultés de façon à ce que je puisse répondre éventuellement à des besoins qui seraient sur demande pour que je puisse adapter rapidement ce contenu-là. Parce que je sais, ça peut faire une différence. Donc voilà, c'est mon élan de cœur, c'est mon élan personnel. Parce que je vais faire face à la concentration, déficit d'attention. Je connais ça, puis j'ai cherché plein de moyens. Et ce qui m'a le plus structuré, c'est les mouvements neuromoteurs. Puis mon approche, je la visais non pas thérapeutique, mais éducative. Donc, c'est ce qui m'a amené au bout des 10 ans d'expérience auprès des plus vieux, là, d'arriver à cette formule simple. Alors, voilà ma demande. Dans l'ordre du jour, je vous ai déposé un résumé. Je vous ai mis le lien vers le livre de Mme Larocque qui, oui, il y a les mouvements neuromoteurs, mais il y a plein d'autres petites stratégies qui sont super intéressantes. Donc, une belle lecture. Et je vous ai donné les coordonnées pour que si vous êtes un milieu qui serait intéressé, que vous puissiez la rejoindre et faire affaire avec elle au besoin. Alors, voilà. Simplement dire que il y a une partie du travail neuromoteur qui est en position assise en lien avec le fait d'être devant un bureau. Alors, comme on est si longtemps en milieu scolaire et que ça agit directement sur notre capacité de concentration et attentionnelle, alors j'ai vraiment focusé sur cette dimension-là et c'est ça qui a fait oui, c'est ça qui marche. Alors voilà, ceux qui sont intéressés, écrivez-moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on peut aller puis adapter tout ça. Merci. Marie-Ève, tu avais une question? Oui, en fait, moi, c'est plus la condition régulière en difficulté, Daniel. Oui. Tu sais, à l'éducation, vous savez, excusez-moi, vous ai tutoyé, mais vous savez, à l'éducation des adultes, on a des élèves de 16 ans et plus. Donc, par définition, notre clientèle, elle est en difficulté. Donc, oui. pour le groupe test régulier, est-ce que vous voulez dire 16 ans en secondaire 4, puis un groupe qui serait 16 ans et plus en secondaire 1? C'est-tu quelque chose comme ça que vous voulez? Ça peut être ça. C'est pour moi, c'est de répondre à votre réalité, de me plonger dans votre réalité afin de mieux articuler mon projet pour répondre à vos besoins. Donc, c'est une immersion, puis de voilà. Je sais pas si ça peut répondre. Donc, à ce moment-là, je vous écrirai, puis on regardera ça ensemble. Oui, excellent, excellent. Parce que je me disais qu'il y a des enfants où il y a des groupes qui sont particulièrement plus difficiles que d'autres. Donc, je me disais, pouvoir tenter le pouls sur de façon générale, ceux que vous recevez, puis aussi ceux qui présentent encore plus de difficultés. Est-ce que c'est adaptable? Puis de quelle manière? C'est ça ma ligne de pensée. Bien, merci beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas, tout le monde. Lors du jour, il y a les coordonnées de Mme Larocque. Merci de vous être déplacée virtuellement pour venir nous parler de ce beau projet. Merci, Daniel. Merci, Karine. Beau projet. Et avant de passer à l'autre point, j'avais noté dans l'ordre du jour
Qu'est-ce qui se passe dans votre centre? C'est quoi la préoccupation? Qu'est-ce qui prend plus de temps là, en ce début d'année? Vraiment de regarder, est-ce qu'il y a des sujets, une clientèle, une tâche administrative qui prend énormément de temps? Présentement, on est à planifier aussi les accompagnements, les offres de formation. Donc, quels sont vos besoins présentement? Puis peut-être aussi vos besoins de formation, de discussion, de co-développement cette année. On est là pour y répondre. Est-ce qu'il y en a qui spontanément, comme ça, nous disent qu'ils sont surchargés de DAP? Non, mais je dis ça, mais je dis rien, là. Tu sais. Marie-Ève? Vas-y. Moi, vraiment, je suis submergée. Moi, ça arrive par boîte maintenant. Fait que là, je vais juste vous montrer. C'est une belle technique d'impact. Fait que ça, c'est ma boîte que j'ai reçue hier. OK? J'ai deux centres. Bien, j'en ai trois, mais en tout cas, j'ai trois endroits où des élèves se font scolariser. Fait que là, moi, en ce moment, ma réalité, c'est que la quantité d'élèves qui arrivent directement de 16 ans, je viens de changer de commission scolaire, centre de service, whatever, puis la quantité de 16 ans qui sont, par magie, un réussi secondaire 3, qui sont donc classés en 4, mais qui ont seulement le secondaire 3 pré-DEP de réussi, là. Deuxième secondaire, premier secondaire, sixième année, cinquième année, zéro, rien de réussi. Puis là, une année, soudainement, secondaire 3 a été réussi à 60. Ils sont dans nos classes de secondaire 4, en maths, en français et en anglais. En anglais, ça va bien. Pour la région de Châteauguay, ils sont assez bien en anglais. Pour la région de la Prairie, c'est un peu moins. Mais là, c'est la première fois que je vois autant de 16 ans. Là. Puis là, je dis 16 ans, là, j'ai même des 16 ans qui ont eu 16 ans au mois de mai. Ça, je voyais plus ça à Marie-Victorin. Il y avait comme beaucoup de soutien qui avait été mis en place au secteur des jeunes. Mais là, c'est du 16 ans frais. Ça, c'est un peu... ça donne un petit haut le cœur. Pas des élèves, mais de la job de paperasse. Puis on ne fait pas de transition automatique, Brigitte. Alors, je dois faire des rapports d'analyse pour chacun. Voilà. C'est excellent. Bien, merci, Marie-Ève. Je pense que tu as vu des têtes acquiescer aussi. La réalité de la modification scolaire au secteur des jeunes, là, c'est quelque chose qu'on doit s'attarder, qu'on doit réfléchir. Puis possiblement que cette année, je ferai une rencontre avec les SARCA juste pour qu'on puisse comprendre et tous être sur le même pied d'égalité et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on est tous conscients qu'on ne peut pas déclasser quelqu'un. On est tous conscients aussi que, tu sais, on doit l'amener. Je suis contre le déclassement, là. On s'entend bien. Là. Je suis contre ça. C'est vraiment ça, là. Et c'est important, les gens qui ne connaissent pas, je ne dis pas qu'il faut déclasser les élèves, mais quand c'est un pré-DEP et qu'il n'y a rien eu de réussi en FMS, je me questionne sur le secondaire 3 réussi. Oui, effectivement. Ton questionnement est très, très bon, mais qu'on soit plusieurs intervenants à être... former, informer, sensibiliser. Je pense qu'après ça, on va pouvoir se rendre dans les classes pour adapter les interventions. Merci, Marie-Ève. Très pertinent. Brigitte? Bien, en fait, c'est le même commentaire que Marie-Ève. J'ai observé cette année beaucoup de jeunes de 16 ans qui ont des unités en troisième secondaire, quatrième secondaire, qui n'ont pas de réussite précédente. Puis moi, je voulais poser une question à Marie-Ève. Est-ce que tu lis tous les dossiers? C'est une belle question. Je lis tous les dossiers. J'ouvre un PA pour chacun de ces personnes dans la boîte et ils ont le temps de décrocher avant que j'aie réussi à terminer ce travail. Alors, c'est un peu absurde, là. Fait que, tu sais, moi, si j'avais un besoin à nommer, ce serait celui-là, la transition secteur jeune, adulte et le plan qu'on fait pour les soutenir. J'aimerais ça qu'on en parle cette année. C'est bien. Ça pourrait être un beau comité, un sous-comité, là, Brigitte et moi, ça fait longtemps qu'on est en FGA. Je pense que ça pourrait être le fun aussi, Brigitte, qu'on le fasse en collabo, un peu comme quand on avait fait les lignes directrices, j'ai dit. Oui, c'est sûr, il faut que j'en parle avec ma direction. Est-ce que ce comité-là, vous l'appelleriez conséquence de la COVID?
Oh, oui. Non, c'est plus que ça. Mais c'est-tu Karine qui a dit ça, Karine Martin? C'est plus que ça, Karine, parce qu'il y a conséquences de la COVID, ça a un impact partout dans tout le système scolaire québécois. Mais moi, j'irais encore plus conséquences de l'adaptation scolaire au secondaire qui est... Moi, ce que j'ai compris dans le centre de services où je suis en ce moment, c'est qu'ils ne veulent pas pénaliser les élèves pré-DEP qui s'en vont au DEP. Donc, ils mettent une réussite du 3 pour un prérequis DEP, mais ils ne réalisent pas que si l'élève ne s'en va pas au DEP, qu'il s'en va en FGA, l'impact, c'est qu'il est assis en secondaire 4. Puis quand on leur dit ça, les profs font comme « Oh! Oh! » Donc, il y a comme une méconnaissance des conséquences de donner un code de cours qui est le vrai code de cours de secondaire 3 à des élèves qui sont dans des regroupements adaptés avec des modifications au programme puis des modifications à l'évaluation, mais que ce n'est pas écrit sur le bulletin du tout, du tout. Donc, c'est impact du bulletin modifié sans qu'il soit indiqué qu'il est modifié. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas, Brigitte, si tu es d'accord. Bien, probablement. En fait, tu viens de soulever des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est exactement ça. Marie-Ève l'a décrit vraiment très, très bien. Là. C'est l'adaptation scolaire qui a étendu son offre de service, puis qui maintenant, en fait, quand il arrive, ça va super bien quand il transige au DEP, mais quand il arrive chez nous, ben là, il y a des trous là, de service. Là, tu sais, il y a des trous d'apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose à faire, c'est sûr et certain. Excellent. Donc, je ne sais pas dans l'heure du jour, là, si vous voulez parler, juste faire la place à peut-être un sous-comité de travail, inscrire le nom des gens, puis on mandatera quelqu'un pour le partir ou réfléchir, des rencontres qui se feraient en virtuel. Puis l'idée, c'est vraiment juste de bien accueillir, puis d'accueillir le plus rapidement, en fait, les élèves. Fait que, tu sais, moi, je me dis, dès qu'un SARCA le sait, avant même qu'il arrive, cet élève-là, il y a des actions là, qu'on peut faire? Donc, c'est intéressant. Émilie? Oui, bien, dans le fond, nous, ce qu'on remarque aussi, c'est aussi en lien avec ceux qui arrivent d'adaptation scolaire. Donc, là, on en a beaucoup, bien, pour la grosseur de notre centre, là. Donc, qui arrivent, qui ont leurs 5 ans d'adaptation scolaire de fait, mais qui ont été en modification pendant leurs 5 années. Donc, eux, nous, ils n'arrivent pas avec un secondaire 3, mais ils arrivent quand même avec, on ne peut pas les classer tout de suite, donc on commence avec des documents de révision pour par la suite être capable de les classer au bon endroit. Mais c'est quelque chose, habituellement, nous, on avait une personne par mois, deux, mais là, c'est un 5 par entrée. Donc là, pour la taille de notre centre, moi, je suis un matane, donc c'était pas quelque chose qui était vu avant. Donc, ça nous ramène d'autres défis aussi à notre centre, ceux qui arrivent de ces cheminements-là qu'on n'était pas habitué à avoir. C'est intéressant de voir que ça a de l'impact même en région, hein. Matane, c'est une région, hein. Tu sais, on peut dire que une très, très belle région. C'est une très, très belle région, mais tu sais, c'est pas une métropole non plus, mais tu sais, de savoir que ça a des répercussions et que ça arrive en fait massivement. Puis moi, ce que ça me dit, c'est que ça arrive aussi en continuité scolaire. Fait que moi, c'est là que je veux agir parce que ce n'est pas du décrochage. On dit, ah oui, la FGA, c'est pour les décrocheurs, quoi que ce soit. Mais si les élèves à l'école secondaire en avril, mai, signifient que moi, l'an prochain, j'aimerais aller en FGA, il y a probablement quelque chose à faire avec les écoles secondaires. Hein? Il y a des belles initiatives, donc quelque chose à voir là, là-dessus. Émilie, puis pour les autres, si tu me parlais de tests de révision, de regarder... les choses. Si tu vas dans les anciennes rencontres l'année dernière, je sais que tu étais en congé de maternité, il y a Jaël Méquier Dubois, qui est une conseillère pédagogique en français, qui est venue présenter le portrait de compétences qui se fait sur plusieurs semaines, sur plusieurs traces dans son centre de service scolaire, qui pourrait peut-être être un bel outil et qui permet de vraiment bien situer les gens. Il est venu le présenter dans les après-cours orthopédagogues l'année dernière et je sais que beaucoup sont inspirés. Elle le partage à tout le monde, Émilie. Oui. Donc, ça, c'est très intéressant pour toi de le savoir, autant du pré, de l'alpha-pré jusqu'à la formation de base diversifiée jusqu'au secondaire 3. Tu peux faire un portrait sur 24 heures. Moi, je suis en train de faire ça.
mais je ne le fais pas dans le sens du portrait pour le classement parce que sont déjà classés, mais ça va m'aider à faire le portrait des élèves pour aider les enseignants à aider les élèves. Fait que tu peux l'utiliser comme outil de classement, mais tu peux l'utiliser aussi comme outil de portrait de groupe un peu. Ben, chez Karine, vous avez d'autres outils dans WOW, mais pour la FBD, c'était un peu compliqué là, quand l'élève est classé en 4, d'aller voir son haut, les petits morceaux qui manquent. Ça me permet de le faire relativement rapidement, mais relatif est le mot-clé. Mais si vous voulez, là, d'autres outils de dépistage, de regarder, c'est le genre de choses qu'on peut essayer de regarder puis qu'on peut, tu sais, nous, on t'a planifié les rencontres. Donc, il y en existe, là, je pense à Sophie, là, au CSSMB, vous en avez un pour les élèves de la FBD. Probablement que je regarde les 34 personnes, il y en a qui en ont. C'est vraiment intéressant. Maths aussi, on oublie souvent les maths, Karine, mais moi, j'utilise encore les écarts, réduction des écarts de Marianne Small qui ont été traduits, puis ça aide rapidement à faire le diagnostic pour trouver les forces et défis d'un élève en maths FBC-FBD. Excellent. Moi, je t'encourage à le mettre dans le document collaboratif puis dans le clavardage, là. C'est même une ressource que je connais pas vraiment. Fait que peut-être venir nous le présenter dans les prochains. Dans le test, j'aime pas ça. C'est pas un test de dépistage. Dans les activités de réactivation de connaissances et de ce que vous voulez, là. Tu sais, quelque chose de beau, là, puis de tentant. C'est important d'avoir plusieurs traces de plusieurs moments. Et s'il vous plaît, d'utiliser aussi les technologies, ça va permettre d'avoir un portrait de l'aisance des technologies, puis après ça, d'aller cibler aussi quels sont les bons outils, les bons besoins, les bons moyens, de rattacher les bons intervenants aussi, parce que quand on fait des portraits de classe, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu chez vous, mais on se rend compte qu'il y a peut-être 10 élèves sur 15 qui peuvent utiliser les outils technologiques, mais dans la vérité, c'est très peu. L'enseignement se fait très peu aussi avec l'utilisation des outils technologiques. Donc, de prendre des traces aussi avec des outils numériques, ne serait-ce que pour des fois, c'est le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève. Tu sais, est-ce qu'il se sent plus compétent? Est-ce qu'il est plus autonome? Est-ce qu'il parvient dans les temps? Ce sont tous des indicateurs de réussite éducative qu'il faut avoir en tête quand on fait ce plan-là. Puis, ça m'amène, en fait, à présenter deux ressources récits. Levez la main. Là, sentez-vous pas gêné quand vous ne connaissez pas. Qui ne connaît pas ce qu'est les récits? C'est sûr qu'il y a au moins une personne. Puis, on peut faire x3. Hein? Les recherches disent que quand quelqu'un pose une question, il y a au moins x3 personnes qui se posent la même question. Fait que je considère qu'il y a au moins 3 personnes. Moi, je sais c'est quoi les récits, mais je ne peux pas dire c'est quoi chaque lettre. Fait que je vais lever ma main. Ah! Bien, écoute, c'est vraiment... merci. C'est vraiment une belle occasion de présenter Annie et Marie-Ève qui sont ici là, présentement. Donc, expliquez un peu qu'est-ce que c'est les récits et quel est votre rôle de chacune, là. Ben bonjour. Enchantée pour... Il y a quelques usages quand même que je connais via le projet WOW ou à d'autres moments où on s'est vus. Donc, Marie-Ève Sainte-Croix, je travaille au récit et ma collègue Annie. Le récit, en fait, c'est vraiment pour le développement, tout ce qui est le développement des compétences au niveau du numérique, là, la fameuse compétence numérique qui fait partie des compétences professionnelles maintenant. Donc, pour les enseignants, fait qu'on est vraiment de ce côté-là, autant pour les élèves que pour les enseignants et tout autre intervenant, en fait, parce que finalement, on commence à mener notre expertise de façon un peu plus large. Le réseau du récit FGA, parce que le récit en tant que tel, c'est une grande, grande famille de plus de 300 personnes présentement à travers la province qui se sépare en 3 grandes catégories. Donc, des services nationaux qui sont soit basés au niveau d'une discipline. Donc, on a des récits qui sont pour les mathématiques, pour le français. Annie pourra en parler par la suite. Puis, on en a qui sont plus au niveau de la clientèle. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, je suis vraiment dédiée à la clientèle pour la FGA. On a des récits régionaux. Donc, dans toutes les régions du Québec, il y a un récit régional pour la FGA, au moins un, et il y a au moins un récit régional pour l'AFP également, qui est une nouveauté depuis l'année dernière. Donc, dans chacune des régions administratives, vous avez vraiment un récit pour la FGA qui est là pour soutenir les centres qui sont de la FGA dans cette région-là.
Et on a les récits locaux également, qui c'est la troisième catégorie, qui eux sont plus du côté secteur jeune en général. Et eux vont, sont quand même nombreux. Ils sont souvent associés à une école en particulier ou quelques écoles dans un centre de service scolaire. Donc, on est là pour soutenir le déploiement du numérique dans différents projets de différentes façons. Et au-delà des outils, ce qu'on aime bien nommer, parce qu'évidemment, on est quand même une équipe d'une trentaine de personnes à la FGA, si on inclut les services nationaux et on inclut les services régionaux. Puis tout ce beau monde-là, oui, il y a des expertises extraordinaires dans la connaissance des outils numériques, mais il y a aussi une grande expertise dans le déploiement d'un projet, dans le déploiement d'une vision, dans le déploiement d'un plan numérique. Donc ça veut dire travailler en collaboration au-delà des enseignants, c'est avec les intervenants dans un milieu et de développer cette vision-là du numérique. Puis je vais, avant de céder la parole à Annie, je termine en disant, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que mon titre officiel, c'est Service national pour les centres de services scolaires francophones. Évidemment, je ne peux pas desservir une soixantaine de centres de services à moi tout seul pour la FGA. Donc, tranquillement, mon mandat, c'est dirigé plus du côté des communications. Donc, je sais qu'il y en a d'entre vous parce que je vois via les réseaux sociaux. Fait que quand vous voyez des choses du récit FGA dans les réseaux sociaux, quand vous voyez des, si vous êtes abonné à l'infolettre ou si vous allez sur les sites, bref, tout ce qui est communication, beaucoup des différents projets, ça passe par moi. Donc voilà, fait que je cède la parole à ma belle Annie qui va vous présenter son mandat. Hey, merci Marie-Ève, j'ai presque plus rien à dire. Absolument pas, c'est tellement bien résumé. Je vais peut-être juste parler de mon mandat à moi. Donc, Annie Cormier, je travaille pour le Service national du récit au domaine des langues pour la FGA. Donc, le but qu'on a au domaine des langues, on est une équipe, mais moi, je représente vraiment la FGA. Donc, c'est de soutenir l'apprentissage des personnes apprenantes en lien avec les compétences du français, bien entendu, langue d'enseignement, à l'ère du numérique. Alors, pour nous, c'est vraiment important d'avoir, de mettre de l'avant des pratiques novatrices, inclusives et engageantes. Je m'excuse l'anglicisme, mais mon background de 18 ans en adaptation scolaire, autant comme enseignante que comme conseillère pédagogique, mais j'ai vraiment ça toujours dans mon cerveau là, de penser aux élèves en difficulté. Donc oui, les outils d'aide, mais pas seulement d'aide, c'est vraiment les outils numériques pour tous, pour offrir des choix, alors pour leur permettre de démontrer à quel point ils sont compétents avec toutes sortes de façons possibles. Alors voilà, mon objectif, c'est de toujours rencontrer des équipes de travail pour développer soit des situations d'apprentissage, soit de réfléchir sur comment soutenir l'apprentissage de la discipline du français, puis développer les compétences, les trois compétences en français, voilà. Je pense que ça fait le tour. Question, c'est quoi que ça veut dire? R-E-C-I-T, ça veut dire quelque chose sûrement? Le réseau de l'éducation, c'est les cinq noms, Marie-Ève, cinq mots si je ne m'abuse. Hey, c'est bon parce que, tu sais, même vous autres, vous n'êtes pas sûr à 100%. Fait que oui, c'est réseau éducation, collaboration, innovation, technologie. Oh, wow, OK. C'est super. J'ai une question, Annie. Oui. Tu sais, quand tu parles de la CUA puis d'un peu plus de flexibilité numérique, est-ce que tu es capable de convaincre le ministère? Non, mais tu le sais pourquoi je te dis ça, c'est parce que oui, wow, là, c'est super wow en secondaire 1-2, mais moi, je veux wow en secondaire 4-5. Fait que moi, je veux wow, oui, le secondaire d'FBD. Mais, tu sais, là, je me bute à même que les élèves, quand il y a une activité dictée là, dans mon centre ici, puis le prof, il veut pas qu'il y ait d'outils technologiques, mais moi, je dis pourquoi qu'on ferait pas une dictée technologique à chaque semaine, tu sais, puis que ça serait de la CUA, flexibilité, mais non, ça marche pas. Bien, c'est une super belle discussion. Il y a besoin de jus pour convaincre. Oui, effectivement, mais ça là, c'est toujours la première discussion qu'on a. Oui, mais aux examens, on n'a pas le droit. Oui, mais ça, c'est clair. Mais notre intention, c'est vraiment de soutenir l'apprentissage, donc à faire des liens par la suite. Vous allez voir, il y a un bel exemple tout à l'heure, je vais vous parler d'Antidote. Là. On n'a pas le droit aux examens, mais pourquoi que je l'utiliserais dans vue dans. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais effectivement, c'est vraiment si on ne convainc pas les gens avec qui on travaille de ça, ils nous disent ça ne me sert à rien d'utiliser le numérique, je ne pourrais pas le réutiliser. Mais lorsqu'on a cette réflexion-là, puis dire, ouais, mais
quand on suit n'importe quel cours d'envie, on a toujours quelqu'un à côté qui va nous aider. Puis lorsqu'on arrive à l'examen, il ne sera plus là. C'est un soutien. Fait que faut voir le numérique comme, ben oui, il va avoir le numérique, il va peut-être aller plus loin pour me rappeler que je fais tout le temps, par exemple, avec Antidote, je rencontre cette difficulté-là. Mais à un moment donné, avec Antidote, même si je ne l'utilise pas à l'examen, je vais être capable de me dire, ah oui, c'est vrai. Antidote, il disait toujours que j'avais la difficulté avec ça. Je vais le faire, le lien, puis je vais pouvoir le réappliquer. Là, je parle d'Antidote, ça peut être de n'importe quel outil numérique. Puis le but, pour soutenir l'apprentissage, je le rappelle, c'est de démontrer qu'ils sont compétents. Alors, peu importe la façon qu'on va l'utiliser, il va falloir qu'ils démontrent. Puis il y a des élèves qui, par exemple, je veux savoir s'il a compris ce qu'il lit. On n'est pas obligé de le faire écrire. On peut utiliser d'autres moyens. Puis on découvre à ce moment-là que, ah ben, Colin, quand il écrit, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais à l'oral, je comprends qu'il a compris. Alors, d'utiliser d'autres moyens pour soutenir l'apprentissage. Puis ça, j'y crois haut la main. Mais je sais que vous y croyez tous. Mais justement, en fait, wow, ce vie, tu sais, par exemple, là, je pense au sommet, là, ce vie en FBD, c'est juste qu'en FBD, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire le PAA, mais qu'avant ma FBC, je ne mets pas de PAA. Tu comprends? Le temps que tu fais à faire le PAA, les tâches administratives, bien, ils sont octroyés pour tout le monde tout le temps. Puis après ça, quand ils seront rendus dans des DDE qui sont prescrites, bien là, on va aller officialiser. Fait que, wow, ça fait tout à fait, là, au sommet en FBD. C'est une approche, hein? C'est une approche. Puis pourquoi je travaille de façon collaborative et intensive avec le récit, c'est qu'ils sont mes portes d'entrée, tu sais. La responsabilité de soutenir les élèves et les enseignants dans l'utilisation des logiciels d'aide et des outils numériques, hein? Ça ne revient pas à une personne dans un centre, ça revient à plusieurs personnes. Fait que c'est vraiment des belles portes d'entrée pour vous pour aller chercher un message. Puis effectivement, pour faire un dépistage, il faut que tu laisses des moments où tu vas utiliser les outils technologiques puis où tu ne vas pas les utiliser puis tu vas pouvoir comparer et ça ne sera pas 60%. La condition minimale à atteindre, là, c'est une condition qui peut s'étendre au sentiment, à la compétence, au temps, à la rétroaction, s'il est capable d'aller plus loin, s'il est plus autonome. C'est vraiment tout ça là, qu'on peut aller voir. Donc, merci énormément. Écoute, dans quelques minutes, Annie, je te laisse la parole. Je veux juste seulement donner des nouvelles du projet WOW, alors projet WOW qui est à l'an 3. Si vous n'avez pas entendu parler du projet WOW, allez voir le site Internet, allez consulter les ressources, connectez-vous aux après-cours à chaque mois. Ce que l'on veut par le projet WOW pour l'an 3, là, c'est vraiment faire des petits, alors qu'ils puissent s'étendre, qu'on puisse comprendre aussi la philosophie WOW. Donc, tous les mois, il y a des après-cours WOW où ce sont des intervenants qui travaillent au comité WOW, donc les récits, quelqu'un des services éducatifs complémentaires, un CP matière, et qui viennent réfléchir sur comment on pourrait le mettre en place dans votre centre, puis de faire des actions universelles en classe. Donc, les élèves à besoins particuliers ne sont plus enlevés de la classe, on fait vraiment des interventions en classe, en team teaching. Sachez que c'est la vision de WOW. Et le CTREC, le Centre de transfert en réussite éducative du Québec. Je ne sais pas si vous connaissez, mais allez les connaître. C'est vraiment une belle ressource à aller voir. S'intéresse au projet WOW et on est en écriture d'un projet qu'on dépose le 6 octobre pour une subvention de recherche de 300 000 $ pour décrire si l'approche WOW d'utiliser le numérique pour tous, de travailler en collaboration, en co-enseignement, ont un impact sur la réussite éducative des élèves de la FGA. Donc, on veut voir s'il y a moins d'abandon puis s'il y a moins de temps aussi qui se prend pour les cours. Donc, vraiment, c'est un gros projet qui nous tient à cœur là, cette année. Il est 11h59. La rencontre va terminer. Ça ne sera pas bien long, mais il y a quelques points. Suite à vos demandes de besoins, il y a des formations qui sont offertes cette année. Donc, je vais partager mon écran pour faire ça. Donc, il y avait vraiment un engouement sur le rôle de l'orthopédagogue en francisation. Donc, je passe le point 5 et 7 en même temps.
L'an dernier, il y a une COP francisation, donc il y a un groupe de gens qui se sont formés pour se rencontrer 5 fois pour réfléchir à quel pourrait être leur rôle, quels sont les meilleurs outils, meilleures approches en orthopédagogie, en francisation. La COP part, elle n'est pas partie, donc vous pouvez la rejoindre. Pour la rejoindre, vous communiquez avec Judith Gérardin pour mentionner votre intérêt et vous complétez le formulaire ici pour manifester votre intérêt. Ce qu'on demande, c'est d'être là aux 5 rencontres. Donc, dans le formulaire, il y a la date des 5 rencontres. Et sachez que si vous n'êtes pas là à la première, donc, ce n'est pas possible ensuite de ça de et la formation. Aussi, pour répondre à un plus grand besoin, il y a une formation pour les orthopédagogues sur la correction phonétique. Donc, sur nos élèves qui ne prononcent pas le « e », le « ou », les « e », les « e ». Donc, Sophie Lapierre, qui est une ressource de la FGA, qui fait partie de l'équipe CHOC, donne une formation à Québec et à Montréal gratuite. Donc, le 5 octobre au Centre Saint-Louis à Québec. Et pour les gens de Montréal, c'est au niveau là, de Verdun, donc au CSSMB. Donc, j'ai mis les liens pour vous inscrire à une des 2 formations. C'est moi qui les reçois. Donc, je vous demande d'en parler. C'est une formation qui est gratuite, qui est déployée par les services éducatifs complémentaires. Avant de compléter le formulaire, demandez à votre direction l'accord de participer et sachez que hébergement, transport et dîner, ce n'est pas compris. Donc, ce qu'on paie, c'est vraiment la formatrice, les locaux. Prenez en note ces deux-là et c'est vraiment une formation hyper intéressante. Karine, je prends 2 secondes pour dire que c'est une formation pour les orthopédagogues. On passe le mot entre orthopédagogues, mais on veut pas, on a un nombre de places limitées. Vous ne pouvez pas dire hey, j'amène mes profs avec moi. Si ça, c'est un besoin, vous pouvez faire appel à l'équipe choc de l'équipe choc pédagogique si vous avez un besoin pour votre milieu de façon personnalisée. Mais là, ces deux formations-là, on les réserve vraiment pour les orthopédagogues à travers le Québec. Excellent. Et Annie, dans le fond, je te laisse présenter ta formation. J'ai eu dans le document collaboratif, pardon. Je vais offrir 2 formations pour les orthopédagogues sur Antidote. Là, j'ai vu qu'il y avait des petites erreurs le 23 novembre, pour être certaine, le 23 novembre, c'est en Montérégie. Oui. C'est ça. Fait que il y a des petites corrections à faire le 23 novembre, c'est en Montérégie. Le 9 novembre est à Québec. Là, je vais faire le petit changement dans le formulaire, ne vous inquiétez pas. Antidote pour soutenir tout le processus. Alors, ce n'est pas seulement pour les difficultés et ce n'est pas seulement pour corriger le critère 4 et 5. Là. Alors, c'est pour vraiment tous les élèves ou pas, parce qu'on va avoir des discussions à voir est-ce que ça peut aider tous nos élèves. C'est une excellente question à se poser. Alors, j'ai mis la petite description en bas. Vous êtes les bienvenus. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer puis en discuter avec vous pour avoir, on parle d'intelligence commune, là, alors d'avoir votre côté orthopédagogie où ça peut être n'importe qui a envie de travailler avec Antidote et leurs élèves ou comprendre comment on pourrait l'utiliser différemment. Voilà. Mais c'est 20 personnes, donc il faut faire vite. Puis encore une fois, bien, on vous demande avant de compléter le formulaire de vous assurer que vous pouvez avoir l'aval de votre direction et que vous allez assumer hébergement, transport et dîner. Émilie? Dans le fond, ces formations-là, c'est vraiment juste en présentiel. Pour l'instant, oui, c'est vraiment en présentiel. Là. C'est bon, parce qu'on a de plus en plus de besoins technologiques, puis Antidote en fait partie, là. On dirait que tous nos élèves arrivent avec les critères Antidote cochés sur leur plan du secteur jeune. Donc, c'est sûr, c'est super intéressant, mais là, peut-être un petit peu loin pour un milieu de semaine. Tout est possible. Ce que je te suggère, c'est peut-être de communiquer avec Annie, puis de regarder à faire une formation dans ta région, un accompagnement dans ta région encore le plus personnalisé, puis qui pourrait s'adresser et à toi, orthopédagogue, à ton CP aussi, là, parce que moi, c'est super important parce que quand on veut rentrer une approche pédagogique ou un outil numérique, moi, c'est important de travailler avec le CP. Sinon, ça passe. Tu sais, ça passera pas. On va juste intervenir auprès des élèves.
puis des enseignants, fait que c'est peut-être possible. Communique avec oui. Annie dans le clavardage, il n'y aura pas de problème. J'ai deux questions, une de Stéphanie, puis je vais répondre à ta question. Je suis allée à Montjoly donner la formation Antidote début septembre, donc tout est possible. Puis Stéphanie Laroche qui me dit, ou à Québec, je suis en train de parler avec Alexandre, ça devrait être au Centre Saint-Louis, mais on va le savoir sous peu, là, la confirmation. Donc, Centre Saint-Louis, là, juste dire, c'est SS Capital, fait que pour ceux qui connaissent Québec les arrondissements. Merci, Karine. Ben merci, merci à vous. Il y a plusieurs webinaires à venir dans les prochaines semaines, donc je vous repartage l'écran pour juste vous les montrer. Alors, le questionnaire Forms pour soutenir tous les élèves, le retour à l'école des femmes monoparentales, le projet Épanouir, si vous avez des TES, des psychoèdes, des travailleurs sociaux qui travaillent de près avec les intervenants de la santé, c'est le projet Épanouir sur la promotion de la santé mentale positive. Transition réussie, donc des pistes de Nadia Rousseau qui a fait des recherches sur la transition des élèves à la FGA. Donc, elle va venir présenter ça le 28 novembre. Besoins et diversité des élèves, donc pour répondre aux nombreux besoins en termes de diversité. Le 15 janvier, c'est fait par Carl Beaudoin de l'UQTR avec des belles pistes très, très concrètes et la compétence socio-émotionnelle 7 février à 13h. Compétence socio-émotionnelle, sachez que c'est quelque chose qu'on n'a pas tant vu dans les dernières années, mais au primaire et au secondaire, c'est beaucoup travaillé. On a fait des liens très étroits entre la gestion du stress et le fonctionnement des fonctions exécutives et le développement des compétences socio-émotionnelles. Donc, vraiment se connaître, apprendre à nommer nos émotions, à reconnaître ce qu'on ressent, ça peut avoir des beaux impacts. Donc, il y a quelque chose qui va s'adresser à la FGAFP le 7 février prochain. Ce sont tous des formations gratuites, des formations où vous passez par le site des après-cours, vous pesez sur le bouton rouge, puis vous y accédez. Dernière chose en finissant, c'est d'inviter vos collègues aux communautés des après-cours, des communautés des services éducatifs complémentaires. Que vous soyez en FGA ou FP. FGA, il y a les communautés aussi de matière qui existent depuis plusieurs années. Pour les services éducatifs complémentaires, il y a les intervenants psychosociaux, FGA-FP. Ça, c'est notre affiche pour les communautés de pratique en FGA et en FP, nos rencontres communes. Et une nouvelle sur la vie étudiante. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à la vie étudiante, au projet, au comité consultatif des élèves, à comment faire du e-sport ou un voyage. C'est le genre de choses qu'on va parler dans les après-cours qui est nouveau cette année. Première rencontre le 5 octobre. C'est ce qui mettrait fin à notre première rencontre. Attends une minute, Karine. La oui. rencontre avec Nadia Rousseau, c'est-tu les mêmes consultations qu'elle a faites en février? Non. Non. OK, merci. Donc, c'est vraiment une nouvelle. C'est sûr qu'il y a probablement des choses qui se ressemblent parce qu'il y a des principes, mais c'est bon aussi qu'on soit plusieurs à les écouter. Donc, si quoi que ce soit, vous communiquez avec nous là, en tout temps entre les rencontres. Puis moi, je partage vos expertises, vos questions, puis on trouve ensemble des solutions. Puis sinon, on se retrouve le 16 novembre de 13h à 14h30. Ce sera une rencontre conjointe FGA-FP. Dans la plateforme des après-cours. Je vous souhaite une belle rentrée. On arrive à la fin septembre, on va passer au travers. Bonne journée tout le monde!